Le 14 octobre dernier, à 20h27, sur ordre ferme de la direction des programmes de TF1, le chef de chaîne avait coupé brusquement le journal et la prestation de PPDA avec les prix Nobel de physique français. Ce soir-là, la priorité était aux bandes annonces sponsorisées et à la publicité qui précédait le match de football France-Autriche, prévu pour 20h45. Voilà ce que l'on voyait ce soir-là sur TF1 à 20h27. J'étais au Collège de France. Dans un instant, France-Autriche en direct du Parc des Princes. Les détecteurs deviennent. Voilà ce que vous n'avez pas entendu sur TF1 ce soir-là à 20h27, juste après la coupure. Au Collège de France, et j'ai trouvé la réponse à une question. Quelle honte. C'est une honte, connard, vraiment.